on the island of Hispaniola, which it shares with the Dominican Republic, Haiti becomes another Caribbean scene of crisis. Ever a land of turbulence, this citadel, built by the assassinated tyrant Henri Christophe, seems symbolic of the troubled land, a brooding mass of masonry erected without concern for the abject poverty that has been the way of life for the average Haitian for generations. Though Haiti was the first Latin American country to achieve independence, it is one of the world's poorest nations. Since attaining its freedom, it has suffered 130 political convulsions. But the Haitians, with an average annual income of about $70, make the best of their lot and continue the carnival traditions of France, the nation against which they revolted in 1804. Modern Haiti was launched in 1945 with the election of President de Marsay Estimé, but he was ousted by revolution in 1950. His successor as chief executive was Paul E. Maguire, a leader backed by the military, which staged a victory parade on the occasion of his ascension to office. He was overthrown in 1956. In 1957, the National Palace in Port-au-Prince was occupied by Dr. François Duvalier. 2 years ago, this medical man turned politician declared himself re-elected president in an election for which he never proclaimed a candidacy, a situation that made necessary the organizing and training of a personal palace guard. It was the slaying of four of these men and an alleged invasion of the sanctuary of the Dominican Embassy that sparked the current crisis. Haitians today are mostly of African ancestry, with a prosperous 5% elite minority of mulattoes. The former are a carefree, happy people who meet adversity with humor and the dance. But they are capable of being very explosive. Primitive rhythms and the ancient cult of voodoo are the heartbeat and lifeblood of the people who live in one of the world's most miserable countries. This is Haiti, a land of idol worship and of Papa Doc Duvalier. Together they ruin this once lovely, once prosperous country, which sits on one end of the island of Hispaniola in the Caribbean. Nature endowed this place with fertility and natural beauty. It was left to the greed and ignorance of men to ruin it. Haiti's downward progress from flourishing French colony to become the world's poorest state reached its lowest point under the 14-year dictatorship of François Duvalier, which ended with his death in April. Duvalier's legacy to Haiti is poverty, ignorance, disease, and misery. This week, Echo looks at Papa Doc's country, the beggar of the Americas, Haiti. Life is not only meager in Haiti, but short. Malnutrition and ignorance combine to limit life expectancy to a mere 42 years. The principal medical services in the country were provided by a few volunteer teams who fought a losing battle against the power of voodoo priests and witch doctors who held the bulk of Haiti's 5 million people under their spell. Those who survive do so on the lowest living standard in the world. For most, scratching a living from the earth and offering its fruits for sale in a buyer's market is the only way to subsist. The average earnings in Haiti have remained at the starvation level of about $70 a year, ever since Papa Doc Duvalier took over the country. But most of Haiti's densely packed population manage on less.
But there is a fatalism about the Haitians which enables them seemingly to live with the violence and bloodshed which have been the backdrop to Haiti's 167 years of existence. A bus ride away in the towns, the same lethargy hangs in the air like mist. Port-au-Prince, the capital of Haiti, was formerly the outlet for the country's rich coffee harvest, which once made this half an island the richest in the Caribbean. Now the town, like the long-lost riches, is decaying. But there are still the rich in Haiti. They live in these curiously styled colonial homes in the suburbs of the capital. As for the poor, their interests were only temporarily engaged some years ago when Papa Doc created Duvalierville. It was to have been a new town, but was in fact a shoddy public relations exercise, which in the depressing manner of the Duvalier regime was quietly forgotten after the first few months of activity. Of course, the people paid for Duvalierville through Papa Doc's normal method of shakedown and hold-up. Extortion was a major factor in Haiti's economy, just as armed force was and still is the prop which held the whole edifice together. Few people, it can be safely said, have been so downtrodden, so badly used as the Haitians under Duvalier. His power was the power of the gun, his politics the politics of the firing squad. The ceremonial panoply with which Duvalier surrounded himself was never more than a camouflage to cover the absolute power he himself held. He and those around him wove a spell of terror over Haiti, conjured up out of voodoo mysticism and administered at gunpoint. Understandably, perhaps, Duvalier rarely spoke to visiting pressmen. When he did so, he countered any suggestion that his was a despotic regime with bland denials and in tones of injured innocence. This interview with an American reporter is typical. Who can stop the American press or any other from making accusations? There are police forces in all countries. I do not think the police of my country can be considered more brutal than any other. The forces of law and order have done their duty. While there may have been germs of political opposition, they were rarely heard inside Papa Doc's Haiti. The forces of law and order, as represented by this motley collection of armed police, effectively snuffed out whatever opposition there might have been. Ill-trained except in violence, inefficient except in extortion, they would have been laughable had they not been so deadly. Duvalier himself was rarely seen in the streets. When he did venture out, he always carried a Tommy gun and a pocketful of money, the two extremes of persuasion and equally effective in their ways. And there were always the Tontons. In fact, a band of armed thugs with absolute power of life and death, the Tontons Macoute were vested with dark and mysterious power in the half-world of voodoo. In the popular imagination, the Tontons Macoute represented a deity which could snatch men away and carry them off to a kind of hell. And the reality was not far behind the fable. It was the Tontons who whipped up the artificial worship of Duvalier and who made a godhead of Papa Doc, the country physician, the sick and ruthless man who ruled Haiti for 14 memorable years. Duvalier was enthroned as Haiti's president for life, but was determined that his creed should endure beyond death. He appointed his son, Jean-Claude, as his successor, a move endorsed without dissent by a national referendum earlier this year. For the Haitians denied him nothing.
He used his scroll of office like a wand to spellbind the poor and ignorant into the belief that Papa Doc's medicine was good for them. But in the end, Duvalier was a recluse. The palace was ringed by anti-aircraft guns, and the National Armory was locked in the cellar, and only he had the key. Three attempts to displace him left their mark on the palace and on him. Like many other dictators, he was his own prisoner. Duvalier's life presidency ran out on April the 22nd this year. His lasting monument can only be Haiti itself, a stricken, poverty-ridden, fearful country from which he himself sucked the lifeblood. Before he arrived, Haiti was a state of revolution, plot, assassination, and backstabbing. But Papa Doc kicked even that degree of life from it and handed over to another Duvalier a country without a heart or a hope. When they carried Papa Doc to his grave, some of his people wept for him. And perhaps that is the greater tragedy, for few men ever deserved fewer tears. Outside observers had confidently predicted that his death would trigger off a revolt against all he had lived for. After 14 years of Duvalier, they said, Haiti would revenge itself on him and those who helped him cling to power. But it didn't. Instead, they wept to see him go. Duvalier is dead. Long live Duvalier. The high priest has departed, but for the time being anyway, the spell he cast remains unbroken. Universitaire unit son destin à celui d'une jeune infirmière, Simone Ovid. De ce mariage naquirent quatre enfants, Marie-Denise, Nicole, Simone et Jean-Claude, qu'un destin d'exception propulsera de très tôt à la fonction de magistrat suprême de la République. En dépit des difficultés inhérentes à son environnement social, le docteur François Duvalier a toujours été l'homme du devoir. Les fonctions qu'il a occupées, soit comme directeur de la santé publique, soit comme secrétaire d'État du travail et de la santé, lui ont laissé la réputation d'administrateur inflexible et de défenseur impitoyable des deniers de l'État. En tant que médecin de la mission scientifique américaine, il apporta sa collaboration efficace à cette croisade de la santé et de l'éradication du pian. Cette œuvre sociale à laquelle s'adonna le médecin de toute la force de son âme est connue d'un bout à l'autre de ce territoire. C'est un homme, un observateur. Il ne parlait pas beaucoup, cependant il s'occupait de son travail. Mais alors, en hiver, par exemple, la clientèle diminue beaucoup. Donc le docteur Duvalier a pensé à instituer une clinique ambulante de montagne. C'est ainsi que, et chaque semaine, on va dans les sections rurales, et à Montchandel 1, Montchandel 2, Taïfé, Posy et Possy, Malanga, Belly et bien Laval. Une fois, en allant à Laval, chemin faisant, nous avons trouvé un homme sur la route. Il nous a dit, oh, docteur, docteur, c'est nous, nous t'avons vu, nous connaissons pas le cas officier Charit, moi, grand malade, malade, là, pas capable d'aller. Donc, docteur, si vous êtes capable d'aller, moi, s'il vous plaît, bagaille. Alors moi-même, je dis, M. Bocu, bonsoir, je parle là. Il dit, c'est là, oui, tout près là. Je dis, allez, habitant d'où c'est là, ou bien pour m'acheter demain du monnaie. Docteur Duvalier dit, bon, nous allons aller.
C'est ainsi que je prends devant, nous avons demandé ce cheval. Les nous arrivons dans le caille, nous disons que là, c'est un petit caille, une bagaille, c'est l'homme qui est capable de camper debout. Malade la couche. Il fait du valérien, le sculpté, il m'a rien, il fait tout bagaille, et puis monsieur fait sa vape, il campe. Il dit, monsieur, je vais prendre le pouvoir dans le pays ici, mais il dit ça avec une voix. Pour le pouvoir dans le pays ici, pour me sauver mon saïo. Gardez ton homme, papa, il te fait l'indépendance de papa. Gardez-le, je vais prendre le pouvoir pour me sauver. C'est donc à la lumière de ce vécu quotidien qu'il convient de visualiser, entre autres, la journée d'apothéose du 22 septembre 1957, où, dans la ferveur et la reconnaissance, les masses urbaines et rurales, soudées à l'intelligentsia, s'étaient concertées pour arrêter leur choix définitif sur un candidat qui pouvait justifier pleinement la haute confiance que le peuple aurait placée en lui dans l'exercice libre et souverain des droits civils et politiques. Un peuple trop longtemps bafoué, humilié, méprisé. Quel autre que le docteur François Duvalier aurait pu assumer avec plus de succès la fonction de réhabilitation des masses de l'arrière-pays? Lui qui avait tant de fois fourni des preuves d'une bienveillante sollicitude envers les démunis, les marginaux. Lui, l'honnête homme respecté, une valeur nationale personnifiée par un passé de travail bien fait, d'initiative utile, de dignité et de prestige professionnel. Le docteur Duvalier n'était pas seulement un nom, ni un étendard. Il représentait pour les électeurs le symbole vivant d'une idéologie révolutionnaire postulant le plus grand bien au plus grand nombre. À chaque siècle et au moment opportun, un leader apparaît pour tirer sa patrie des bords de l'abîme, dit le sage. Tout comme le destin avait choisi Toussaint Louverture pour préparer le destin de grandeur de notre race sur ce coin de terre, Washington, pour combler les aspirations au bonheur du peuple américain, dynamique à la société française, François Duvalier est l'homme haïtien surgi de l'absolu pour mettre en place des structures préalables à l'éclosion d'une société haïtienne juste et prospère. Avec lui, c'est le réveil de la conscience nationale. Car tout un chacun sait maintenant qu'il est un citoyen haïtien devant jouir avec une parfaite égalité des prérogatives prévues par les lois. Il nous manquait une doctrine, nous l'avons désormais. C'est la mystique du valériste qui galvanise tout un peuple, jadis plongé dans les ténèbres de l'ignorance, mais élevé depuis vers la lumière éblouissante de la science, du progrès et de la culture. Jusqu'au début de la seconde moitié de ce 20e siècle, qui, en crise de transformation constante, s'enorgueillit d'une civilisation fondée sur une technologie avancée et par conséquent enregistre sans cesse les plus audacieuses, les plus formidables conquêtes de l'homme sur la matière, le temps et l'espace, l'avènement d'un savant doublé d'un humaniste comme chef d'État d'un pays revêtait la valeur d'un événement hors série, présageant ce règne de l'esprit dont a parlé le philosophe Paul Valéry avec tant de brio. Ce n'est donc point par hasard que ce phénomène inhabituel s'est produit pour la première fois en Haïti depuis Anténor Firmin et Louis-Joseph Janvier. Comme Kemal Atatürk, archéologue, ancien président et constructeur de la Turquie moderne, l'une des préoccupations essentielles du père de la révolution au pouvoir était de sauvegarder à tout prix, malgré les raisons d'État, l'unité fondamentale et indestructible qui doit exister entre le savant, le doctrinaire, l'humaniste et l'homme d'État. J'aime mes livres, d'abord ce sont mes meilleurs compagnons. Et le chef d'État qui ne lit pas ne peut pas arriver à connaître son peuple, à connaître son pays, sa mentalité. Moi, je passe la meilleure portion de mon temps à lire dans ma chambre, ou dans mes maisons de campagne. Héritier d'une structure socio-économique en passe d'effondrement, Duvalier est tout de même resté fidèle à son programme de réhabilitation et de rédemption des masses haïtiennes. En authentique leader du tiers-monde, il indique à la nation
la voie à suivre pour affronter les tentures. Chers amis de Jacques Mel, peuple haïtien, dit-il, pour affronter et vaincre les tentures, rien que par nous-mêmes et nous-mêmes seuls, tous les hommes, toutes les femmes, tous les étudiants, tous les universitaires, tous les écoliers, tous les enfants du pays haïtien doivent donner le meilleur de leur pensée, de leur cœur, de leur âme et de leur énergie pour dire non et faire échec au destin d'objection et d'anéantissement auquel nous paraîtrions devoir être condamnés. Non. Le peuple haïtien a compris. Le message est passé. Réélu président le 30 avril 1961, François Duvalier est plébiscité président à vie de la République le 14 janvier 1964. Des Gonaïves au Caï, de Jacques Mel à Wanamet, de Port-de-Paix à Hinche, de Jérémy à Cap-Haïtien, partout dans le pays réel, les mêmes cris d'allégeance et de reconnaissance populaire jaillissent spontanément des cœurs et des esprits pour inaugurer l'ère de la révolution permanente et proclamer l'adhésion collective à la démarche transcendante privilégiée par un leader charismatique, un chevalier sans peur et sans reproche qui éclaire la route de la communauté haïtienne en marche vers le progrès, la liberté et la démocratie envers et contre un destin jugé inexorable. Tout en se gardant d'anticiper sur l'histoire, de formuler un jugement hâtif sur l'ensemble des activités que le docteur président a dû réaliser durant ses 14 années de gestion des affaires publiques, il est juste et intéressant de constater que cet idéal d'unité, tant recherché, ne s'est point perverti même aux heures difficiles de la Révolution et, malgré une réalité politique brutale, en raison des obstacles et des entraves de toutes sortes qui jonchèrent paradoxalement le cheminement d'un pouvoir voué au progrès collectif et au bien-être général. L'histoire retiendra qu'en dépit des conditions extrêmement précaires, nombre de réalisations concrètes dont nous ne pouvons ici qu'esquisser le bilan et l'analyse, tels l'aéroport international, les travaux d'infrastructure de l'usine hydroélectrique de Péligre, ceux de la route nationale du Sud, la cité jardin qui porte son nom, le code de travail François Duvalier, se définissent les uns les autres à partir de ces conditions autrement difficiles dans l'histoire de ce pays. On a vu des hommes politiques bénéficier d'une situation facile. On en a vu d'autres profiter de conditions difficiles. Le docteur François Duvalier a exercé somme toute le pouvoir dans une conjoncture si complexe que seule une fermeté tenace, une moralité à toute épreuve, une discipline soutenue, alliée à un flair jamais pris en défaut, pouvait lui assurer l'admiration des indifférents, le silence repentant des opposants de jadis et la fidélité indéfectible et sans faille des adhérents. Nous avons lutté pendant la période que l'on appelle l'ordre ancien. Et nous avons pensé qu'il fallait changer l'ordre ancien en ordre nouveau que je préside. Dans cet ordre ancien, seulement, j'ai dit donc que quelques 20 familles seulement étaient les nantis du pouvoir. Hemos luchado durante el periodo que llaman orden antiguo y hemos pensado que se debía cambiar el orden antiguo en orden nuevo que presido. En este orden antiguo solamente algunos, digo que solo unas 20 familias que eran los que tenían el poder y los privilegios en la tierra de Dessalines el Grande, y que he pensado que yo, salido del pueblo, tenía que cambiar esto. Para eso, he luchado a fin de hacer una revolución con las masas del interior del país. Avec les masses de l'arrière-pays. Si quelqu'un vous dit que Duvalier dirige un autocrate
Il ne comprend pas la pensée de l'homme. Le mercredi 21 avril 1971, le 8e président à vie d'Haïti, son Excellence François Duvalier, devait retourner à l'Orient éternel à partir du palais présidentiel. La transcendance de son idéologie politique, la fermeté et le mal courage dont il fit montre durant ses 14 années de magistrature suprême, et par la manière heureuse de poser l'équation de sa succession, ce chef figure désormais aux côtés des meilleurs fils de la patrie haïtienne et représente à un haut exposant un moment inoubliable de la conscience nationale. S'il faut une épithète pour qualifier l'honorable docteur François Duvalier, nous dirons qu'il fut un grand patriote. Grand, car son idéal pour le pays fut noble et se résumait en ces mots riches de sens dans leur concision: bénéfice de la culture et de l'éducation à tous, préservation de la santé publique de toutes les couches sociales, protection du travail, justice sociale et souveraineté nationale inaliénable. L'homme de la rue, le peuple des campagnes, les ouvriers et les artisans jouiront désormais dans la cité de plus de considération à raison du vaste programme d'amélioration de leurs conditions sociales entamé par l'élu du 22 septembre et poursuivi sans relâche par le leader du 22 avril 1971 pour une Haïti socialement juste, économique, libre et politiquement indépendante.